On va regarder les images d'une femme, une artiste française, qui elle aussi est devenue une icône. Vous l'aimez beaucoup, vous la connaissez depuis longtemps, c'est Mylène Farmer. Oui, je l'aime. Qu'est-ce qu'elle a de plus, Mylène Farmer? Qu'est-ce qui fait qu'elle est là comme ça, puissante sur scène depuis toutes ces années? Mais moi je l'ai connue avant qu'elle soit Mylène Farmer là. Donc elle avait de plus que je l'aimais énormément, qu'elle est d'une modestie folle, c'est un paradoxe sur deux jambes. Elle se montre devant 40 000 personnes et elle est une icône. Et dès qu'elle sort de scène, tout ce qu'elle veut, c'est de ne pas se montrer devant des gens. Et je suis fasciné par les doubles personnalités. Je le dis avec, entre guillemets, avec beaucoup de respect, c'est un monstre sacré. Et sortie de scène, c'est une petite bonne femme. Mais dans le sens que j'aime. Et moi, je trouve ça absolument irrésistible. Autre personnalité.